petit module Etherpad API donc, qui permet d'utiliser l'API d'Etherpad. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Etherpad, c'est Etherpad Lite plutôt. C'est un éditeur collaboratif en ligne, donc c'est très pratique quand on a une réunion ou quand on a un texte à faire à plusieurs. Donc, on tape son petit texte, chacun en même temps, tout le monde se base sur un service web, donc tout le monde va sur la même page web. Chacun a sa petite couleur, donc on voit qui a tapé quoi. Il y a des options de mise en forme, il y a du bold, il y a de l'italique, etc. Et il y a un petit chat, ça peut être sympa quand on n'est pas tous dans la même salle. Alors, il possède une API HTTP qui permet de l'utiliser donc, avec plein d'autres langages, donc du PHP, Python, Ruby, et jusqu'à peu, il n'y avait pas Perl là-dedans. Pour le boulot, on m'a demandé j'ai poussé à installer un Etherpad, on m'a dit c'est pas mal, mais il faudrait la liste des pannes. Ah oui, mais alors pour ça, il faut une application, parce qu'il ne le fait pas de base. Bon, alors moi je vais faire une application. Du PHP, non, faut peut-être pas rêver. Du Python, je suppose, bof. Le Ruby, bon voilà. Ah non, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc, du coup, j'ai claqué une API. Et donc j'ai pu faire une petite appli qui permet d'avoir la liste des pannes, de les supprimer, d'avoir des infos dessus, quels sont les auteurs qui ont bossé dessus, etc. Donc ça c'est un petit Etherpad admin, hein, donc le petit truc que j'ai fait, ça a été fait avec Modulicious. Et on peut aussi en plus utiliser des templates de pannes, parce que de base quand on crée un pad, il met un texte. Un template, et puis c'est toujours le même. Et ben là, on peut se faire plusieurs trucs différents. C'est tout.